Tu n'as pas peur qu'on nous voit ou quoi? Bah, on se cache, hein, on se met entre deux buissons. Ouais, ça va. Tiens, regarde, on boule ça. Ah ouais, ouais, c'est vrai que... Les gars, vous voyez ça? Ça, ce truc-là. Ça, c'est une PlayStation 5. Elle est neuve, d'accord? Elle est toute neuve. On organise un jeu concours. Je vais la faire courte avant que la vidéo commence. Ceux qui veulent rester, ceux qui veulent gagner une PlayStation 5, restez. Ceux qui veulent pas, swipez. Mais si tu veux gagner une PlayStation 5 avec 1€, il te suffit de te rendre sur le site Futuratech. Le lien est en description. Pour participer, c'est simple. Tu vas sur le site, tu commandes une dédicace à 1€. Tu peux jouer plusieurs fois. Plus tu joueras, plus tu auras de chances de gagner. Le concours est lancé, il est ouvert. Vous pouvez jouer dès maintenant. Et en plus de ça, il y a déjà des gens qui ont commencé à jouer, mais vous n'êtes pas beaucoup, les gars. Vous n'êtes pas beaucoup à jouer, donc ça veut dire que vous avez beaucoup plus de chances que tous les autres. En attendant, il y aura 3 gagnants. Il y aura un gagnant pour la PlayStation, un gagnant pour une manette et un gagnant pour une carte PSN de 50€. Donc en gros, pour 1€, tu as la dédicace personnalisée vidéo de Kamov que tu reçois par mail le jour même. Et en plus de ça, tu seras peut-être tiré au sort pour gagner la PlayStation 5 pour seulement 1€. Tous les liens sont en description, les gars. Je vous laisse regarder la vidéo tranquillement. Le concours est ouvert, donc allez-y. 1€, c'est rien du tout, ça se trouve par terre, les gars. Ciao. Bon les amis, bonjour, bienvenue sur la chaîne Kamov. Je suis en compagnie de mon frérot Fariditoun. Fariditoun qui a une chaîne YouTube qui fait des acrobaties. Petite démo, allez vas-y. Petite démo? Oui, comme d'hab, tu le sais, c'est là. Frère, c'est vrai. Tu le sais. Mais fais-nous un truc original au lieu de faire des saltos là, c'est trop facile. Fais des saltos sur un pied. Oh, ça c'était pas mal, voilà. Ça c'était... Vas-y Fafouné. Bon les amis, aujourd'hui on va se retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Mais c'est une vidéo assez spéciale, je vous explique. Je n'ai pas souvent parlé de ma famille parce que c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez réservé. Mais bon, je vais parler de quelqu'un que je ne connais pas, qui est mon père. Alors mon père, moi j'ai grandi sans lui pendant des années. Et je me suis dit pourquoi pas le rechercher, aller sur ses traces et le rencontrer. J'ai retrouvé son adresse et on va s'y rendre. Je vais essayer de refaire des liens avec lui. Bon, je m'attends pas à grand chose vu que c'est une personne qui m'a abandonné quand j'étais plus jeune, donc je m'attends pas à ce qu'il soit content de me voir. Mais peut-être que dans l'espoir, il y aura quelque chose de bien. Donc on va s'y rendre, on va aller chez lui, on va sonner en espérant qu'il est là. On va voir comment ça se passe et on se retrouve à la fin pour une petite conclusion. Bon les gars, j'ai trouvé le nom de famille, donc bien entendu c'est le même nom que moi. On va sonner et... on va voir s'il descend ou s'il descend pas quoi. Là, il y a un mec qui descend, je crois que c'est lui. Je suis persuadé que c'est lui. Bonjour. J'ai sonné. C'est vous, monsieur? Oui. Mais c'est, je viens de sonner chez vous, elle marche pas la sonnette? C'est lui. D'accord. Parce qu'en fait, je suis à la recherche de mon géniteur qui porte le même nom que vous. Ouais. Et j'ai des photos où c'est vous. Là, maintenant, en vous voyant, je sais que c'est vous. Ouais. Et je voulais savoir, est-ce que vous vous rappelez avoir une aventure avec... Non, je sais pas, j'ai tellement d'aventures que je sais pas. Et vous êtes resté 3 ans avec elle. Ouais. Quelle année c'était ça? Ben, c'était en 92. Peut-être, ouais. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ben, en fait, moi, je sais que ben, mon père, moi, il m'a abandonné il y a 30 ans en arrière. Donc quand j'étais petit, et j'ai fait un peu des recherches et j'ai retrouvé votre nom, le prénom qui correspond, l'adresse et là le physique, je sais que c'est vous. Ouais. Et du coup, je voulais reprendre le contact pour savoir. Physique et lunettes, vous avez. Oui, parce que j'ai des photos quand même. Ça se ressemble en plus. Ça se ressemble. Oui. Mais vous vous rappelez pas d'être sorti avec une. Peut-être, je sais pas, si j'ai laissé quelques nuits, je sais pas. Et il y a 30 ans, vous vous rappelez pas qu'elle a eu un enfant et que vous avez décidé de partir et puis de donner une nouvelle? Non, je sais pas, moi je suis une nuit, je sais pas, je vais en boîte, je sais pas, je... Vous vous rappelez pas? J'ai tellement de filles dans ma vie que honnêtement, je sais pas, peut-être, je sais pas. Vous avez aucun souvenir? Vague. Vague. Est-ce que vous serez d'accord pour qu'on apprenne à se connaître, qu'on fasse connaissance? Franchement, non. Non? Non. Pourquoi? Pour quelle raison? Au bout de 30 ans? Bah justement, oui, mais c'est pas parce que 30 ans ils sont effacés qu'on doit... Bon, des codes, tout le monde est émotionné à la porte, hein. Je fais comment? Mais pourquoi vous en avez abandonné combien? Je sais pas, j'ai aucune idée, je sais pas. Moi, je vous dis, je suis un mec de bar, moi. De nuit, de boîte, je sais pas, tu cherches quoi. Bah non, moi je veux juste qu'on fasse connaissance, qu'on apprenne à se connaître. C'est important de connaître ses génitaux. Quelle raison? Pour quelle raison, comme ça? Je sais pas, j'ai pas l'intérêt. Créer un lien familial, on peut se tutoyer? Si tu veux. Je suis venu sonner chez toi parce que je me dis, bon, je sais que tu es mon père, mon géniteur du moins, tu vois, et qu'on n'a pas de lien. Je voulais voir si on pouvait créer ce lien père-fils, tu vois,
qui n'existe pas. Je vois pas l'intérêt, franchement. Tu vois pas l'intérêt? Pourquoi? J'ai des paisibles là, tranquille. Prends pas la tête. Tu veux de l'argent ou quoi? Mais au bout de 30 ans? Non, je cherche pas d'argent. Tu veux pour quoi faire? Bah, pour avoir une. Pour juste pour prendre. J'ai pas envie. Je sais pas qui tu es, je sais pas d'où tu es, j'ai pas envie. Donc tu t'en fous de savoir que. Ouais, que je suis ton fils, que. Ouais, je m'en fous. Tu veux rien savoir quoi? Non, je veux rien savoir. Et ça, c'est quoi là? Ce qu'il y a autour du cou? Ça, c'est un objet connecté. C'est comme une montre connectée qui me donne l'heure. Ça sert à quoi? Toutes les heures? Bah, ça évite de regarder la montre. Ah, d'accord. Parce que j'ai pas de montre ou pas. Est-ce que je peux savoir au moins pourquoi pendant 30 ans, tu n'as pas donné de nouvelles, tu n'as pas cherché à me contacter, tu n'as pas. Je m'en bats les couilles. Honnêtement, je m'en bats les couilles. Ah, tu t'en bats les couilles? Je m'en bats les couilles complètement. Complètement, je m'en bats les couilles. Si tu me donnes son rapport, je fais quoi? Je m'en bats les couilles. Non, mais je sais pas, peut-être pour avoir. Enfin, y'a pas de sentiment, t'as pas de peine. T'as pas de regrets, rien. Jamais. T'es sûr, tu veux rien savoir? Non, je veux pas de. Non, je veux ça. Bon. Bah écoute, ça va. Bah je te laisse tranquille, alors je te dérange pas plus. Allez, merci. Ça va les gars? Ça va? C'est possible? Attends, une photo, je peux te faire la bise? On peut faire une photo? Non, pas la bise, le Covid. Une photo, c'est possible ou pas? Mais prends une photo. Allez, ouais, y'a pas de soucis. Ça fait longtemps que je te suis. Aucun problème. Bientôt 1 million d'abonnés, non? Ouais, trop bien tes vidéos, tu sais quoi? Ah ouais. Ah ça tue, franchement, je regarde toutes ces vidéos et tout, c'est incroyable. Ouais. Merci frère, je suis fan. Ah, bah, ça fait plaisir. Merci les gars, merci beaucoup. Ouais, j'espère bientôt les 1 million là, bientôt là. Écoute, j'espère. Merci beaucoup. Y'a pas de soucis, t'inquiète. À la prochaine. A plus les gars. Merci. Ciao, à plus. Hein? Non, c'est pas, pas de problème. Mais non, c'est des jeunes qui m'ont reconnu certainement. Ils m'ont reconnu, c'est tout. Reconnu de quoi? Parce que je fais des vidéos sur internet, moi je suis un peu connu. Quoi, tu fais? Bon, un peu de tout. Tu es reconnu? Ouais, un peu, bientôt 1 million d'abonnés. Tu gagnes bien ta vie? Bah, ça va, je te laisse, hein? Non, attends, t'as fini de discuter, attends. C'est quoi ces vidéos? Mais Yassine, tu voulais plus me parler? Ouais, mais c'est bon. T'as vu avec ça ou quoi? Écoute, ça va, hein. C'est une société, tu sais, donc après, ça marche. C'est-à-dire, société de quoi? C'est une société de production. Je vois, tu t'es bien donné ça. Ça dépend. Tout est relatif. Ouais, mais ça va, bah écoute. Non, attends, où tu vas? Bah, où je vais? Tu m'as dit que tu voulais plus. Non, c'est bon, on peut se voir, tranquille. Je sais pas, si tu as envie de ça, tu bois un café. J'ai pas trop le temps. Moins de 5 minutes. Ça, je sais pas. Et ouais, mais il y a 5 minutes, tu voulais pas faire connaissance. Ouais, bah ça, je sais pas. Tu viens, tu débarques au bout de 30 ans, je sais pas. T'es surpris? Je suis surpris, tu vois. C'est pour ça que tu as réagi comme ça? Moi je comprends pas, là tu me dis viens boire un café, mais il y a 10 minutes tu me disais ouais c'est bon je m'en bats les couilles et tout, je comprends pas là. Ouais mais je sais pas. Tu me demandes combien je gagne, c'est indiscret. Ouais, je sais pas, j'ai 30 ans, tout ça. Bonjour. Ah j'aimerais bien te connaître, tout, je sais pas. Tu aimerais bien me connaître, mais t'as l'air tout. Ouais, mais je sais pas, j'ai vu que tu connu et tout, pas, je dois avoir d'argent, non? T'as bien été, je dois avoir d'argent. Oui, comme je te dis, oui, ça va, je suis pas à plaine quoi. Bah c'est bon, ton appui, là, j'ai besoin de 1000 euros là. Tu peux prêter 1000 euros? 1000 euros, c'est rien pour toi, je pense, non? Mais c'est pas que c'est rien pour moi, c'est que. 1000 euros. T'as besoin de 1000 euros? Ouais, franchement, ouais, 1000 euros. Ouais. Enfin, tu restes à la maison? Bah, tu te m'appliques là. Bah, tu restes là, tu vas pas partir. Ouais, 1000 euros, après, sur contact et tout, bon, ensemble, café. Ouais, ça va. Je vais les retirer, je te les amène. Ouais, hein? Bah, tu fais ça? Ouais, je vais le faire. Ah, c'est bien. Bah, de toute façon, 1000 euros, c'est quoi? Ouais. Après tout, tu es mon père. Ouais, non? Mon père, ouais. Je peux retirer, je reviens. Ok? Ça va. Allez, ça va. À toutes. Ouais. Tu pars pas, hein? Non. Bon, les gars, comme vous avez pu l'apercevoir, mon père, il est intéressé que par l'argent, je pense que vous l'avez compris, hein, vous n'êtes pas teubé. Donc là, j'ai fait semblant d'aller retirer. Je vais bien sûr pas lui, je suis pas un con, je vais pas lui retirer de l'argent alors qu'il voulait rien savoir de moi et qu'il s'en fout royalement. On va retourner le voir. J'ai prévu une petite sentence, on va la jouer un peu vicieux. Je vais pas y faire de mal parce que ça reste quand même quelqu'un de la famille, si on peut appeler ça une famille. Mais en attendant, bon, je vais pas lui donner 1000 euros et... Je pense que ça sera bien fait pour sa gueule. Ah ouais, non, c'est clair. Voilà. Donc on y retourne et on va voir ce qu'on fait quoi. Enfin, moi, j'ai... Hein? On arrive avec toi ou pas du tout? Non, il risque de faire chauffer. Ouais. Ça va faire chauffer. J'y vais seul et vas-y. Si jamais ça dégénère, non, je pense pas. Pour séparer, tu vois. Si jamais il le prend mal ou quoi, mais je vais la jouer vicieux. Vas-y. T'inquiète. Ok. Bon, on y retourne. Ah bah tu es pas monté? Non, je t'attends. D'accord. Je t'attends. T'as les poubelles ici pour jeter? Non. C'est quoi, un local à poubelle? Ouais. Ouais, s'il te plaît. Tiens. Merci. Non, je suis là. C'est là? Voilà, c'est là. Après, on monte direct. Ouais, t'inquiète pas. Bon, les gars, là, je
faire semblant de ne pas réussir à ouvrir. Comme ça, il vient. Moi, je garde les clés. Et quand il ouvre, je le fais rentrer dedans et vous allez voir. Putain, j'arrive pas à ouvrir. Hein? Ouais, tu peux venir, s'il te plaît? Ouais, j'arrive pas à ouvrir. Ah, c'est bon. C'est comment dedans, putain? Putain, j'aime. Ah, merci. Ouais, c'est gentil, merci. Allez. Les gars, venez. Hein? Pourquoi? Pourquoi? Je suis ton père. Ah, tu es mon père? Ah, quand ça t'arrange, tu es mon père. Bon, je t'explique. J'ai tes clés là. Je vais les laisser quelque. Je crois que. Ouais, je vais les laisser quelque part. Non. Eh si. Donc, du coup, vu que t'es une belle ordure, bah, t'es à la place des ordures et des poubelles, quoi. C'est ta place. C'est la poubelle. Eh oui. Eh ouais, bah, t'es intéressé que par l'argent. Oh, bah voilà, je te laisse là. Eh non, je t'ouvre pas, mec. Ah, tu parles mal. Pourquoi tu dis ça? Eh ouais, mais toi tu voulais même pas me voir. Ah, il y a 5 minutes, il savait pas qu'il était, d'un coup on lui avait dit. Bah écoute, c'est pas grave, ça me donne encore plus envie de partir avec les clés du coup. Ah ouais, oui, bah ça va. C'est bien. Au moins tu le retrouveras une fois. Tu le chercheras pour une fois, moi. Tu es bien dans les poubelles ou pas? Ah, c'est parce que tu pues la merde, ça. C'est Fafa du ghetto, il s'appelle. Une vraie ordure. T'as... Une vraie ordure. Les poubelles à la poubelle. Je vous appuie à tous, viens. Oh ouais. On s'est fermé. Je peux taper jusqu'à demain. Tu pourras enculer les poubelles. Donc nous, on va partir. J'espère pour toi qu'il y a quelqu'un qui va venir t'ouvrir. Et écoute, maintenant tu me connais, donc si tu as besoin de savoir qui je suis... Tu tapes Kamoff sur internet, tu verras ton fils avec son succès, trou du cul. Il y a toujours de l'eau dans les poubelles, si tu veux un petit hydraté. Bon mec, allez, on te laisse, nous, ok? Ouais, profite bien les poubelles, nous on va profiter du soleil. Ça va, allez, ça va. Allez. Allez, on se taille vite, venez. Ciao, bisous. Ouvre. Allez, maintenant on s'arrache, on fait une petite conclusion après. Bon les amis, voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je remercie Farid Zitoun d'avoir été là. Donc moi, pour faire court, comme je vous l'ai dit au début de l'intro, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un truc de fou. Par contre, de là à ce qu'il me demande de l'argent et qu'il soit intéressé que par ça, c'est autre chose. Et voilà, donc un peu déçu de son comportement. Mais comme je vous l'ai dit, voilà, je ne m'attendais pas à plus. Juste le message que je veux faire passer à toutes les personnes qui regardent cette vidéo et qui sont parents, n'abandonnez pas vos enfants, quoi. Et si jamais... Vous... Des enfants, c'est pour les assumer. Voilà, faut les assumer. Et puis, si un jour vous voulez reprendre contact, faites-le. Parce que la vie, elle est courte. Et il y a des gens qui savent pas, ils savent pas la chance qu'ils ont d'avoir leurs deux parents. Mais sachez que vous avez de la chance. Parce que quand on grandit soit sans père, soit sans mère, des fois sans les deux, c'est assez compliqué. Il y a beaucoup de gens qui rêveraient d'avoir une famille unie. Et il y en a qui viennent gâcher tout ça, voilà, qui n'assument pas et qui gâchent tout ça. Donc, bon, c'est un peu con. Voilà, ben, j'espère que la vidéo vous a plu malgré tout. On se retrouve mercredi prochain à 18h pour une toute nouvelle vidéo sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne des frérots qui sont derrière moi. Allez, ciao les gars!